Hello! On va parler donc de la Dream Big des Maxi Reload de chez Révolution. Si vous voulez savoir tout pour le grammage et compagnie, tout se trouve dans la première vidéo, enfin avec la première palette que je vous ai fait. Donc je vous la remets dans le petit i, il suffit d'aller voir. Et celle-ci est toujours uniquement cruelty free. Donc de celle-ci, vous avez 45 couleurs, donc des couleurs assez flash. Mais il y a des satinés aussi dedans, ils sont hyper lumineux par contre les satinés. Hein. Et celui-ci, je viens de voir, il a des super beaux reflets roses, rose gold comme ça. Il est pas mal. Donc bien sûr, comme d'habitude, je vous ai fait les swatchs et comme il y a 45 fards, je vais vous faire 3 make-up à la place de 1. Donc dedans, vous avez, alors je vais les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 fards mat et le reste ce sont des satinés irisés et c'est tout, il n'y a pas de pailletés, il n'y a que du satiné ou de l'irisé, donc 13 sur 45, ça fait quand même une bonne moyenne. Je trouve après qu'il manque quand même pas mal de couleurs. Déjà il n'y a pas de fard beige mat pour poudrer l'arcade sourcilière. Après je trouve qu'il manque beaucoup de teintes mat claires pour les transitions. Par exemple, ici, vous avez beaucoup de teintes bleues, mais c'est que des bleus irisés. Il n'y a pas de teinte de transition bleue. Il y a une verte ici, mais alors c'est un vert sapin, vert bouteille. C'est juste impossible. Les seules teintes en transition que vous pouvez utiliser, je pense, c'est les deux ici. Celle-ci qui est un peu gris caca, comme ça, gris taupe caca. Moi, j'ai utilisé pour ce make-up celle-ci. Et je l'ai estompée avec cette teinte-ci qui est plus pigmentée. Vous allez voir que ce que je ne pensais. Voilà, je pense qu'il manque un peu de teinte mat de transition. En fait, je pense qu'ils auraient dû faire à la limite que des irisés pour compléter la mat, la Monster Mat. Donc, je vous ai fait aussi la vidéo, je vous la mets juste ici. Ça aurait été bien d'avoir plusieurs teintes irisées pour mettre en paupière mobile pour une fois que vous avez fait votre travail avec les mats. Mais je pense que je vais m'amuser en associant les deux quand même. Et j'ai très envie de tester celui-ci. Donc c'est le make-up que je voulais faire en numéro 1 avec ce turquoise. Alors regardez ça. Il est juste sublime. Sublime. Donc je voulais vraiment l'utiliser. Le problème c'est que j'ai mis un t-shirt rouge. Donc rouge turquoise. Donc je pense qu'on fera celui-là. Le deuxième ça sera avec ce fard. On va commencer d'ailleurs par les swatchs. Et on va directement passer au premier make-up. Allez, mais j'arrête pas de me coincer les doigts dedans. Donc je sais pas du tout quelle couleur j'allais faire, j'avais très envie d'un make-up bleu, surtout avec ce fard turquoise juste ici. Mais du coup, comme j'ai un t-shirt rouge, ça risque de faire un peu bizarre. Donc du coup, on va y aller au feeling, parce que voilà, je me suis dit, je vais faire un make-up rouge, mais il n'y a pas énormément de rouge, il n'y a pas de rouge du tout d'ailleurs. Et il y a juste un bordeaux ici. Ouais, il n'y a qu'un bordeaux ici, un rouille ici, mais il n'y a pas de rouge. Donc je sais pas. On va voir. Je vais commencer par ma teinte de transition comme d'habitude. Pinceau 231. Bon allez, soyons fous, je vais prendre ma teinte juste ici. Donc si vous l'avez à l'endroit, elle est comme ça. N'oubliez pas que souvent je vous présente la palette à l'envers.
Donc on va commencer avec cette teinte là qui est un orangé rouge. Le creux de paupière. La couleur est sympa. Je fais tout de suite la forme que je fais d'habitude. Ça fait trop longtemps que je ne me suis pas maquillée. C'est trop... oh, ça fait du bien de se maquiller. J'avais vraiment envie de m'amuser avec mon make-up. Donc quoi de mieux qu'un swatch de make-up pour ça. Donc j'espère que le son ira aussi parce que j'arrête pas d'essayer de régler mon stupide micro. Je prends un pinceau un petit peu plus fluffy. Donc je prends un de chez Primark et je vais prendre la teinte ici. Un peu beige saumoné, bizarre huit, pour flouter le bord. Oh, mais oui. D'accord. Ok, calme-toi. Donc vu qu'il n'y a pas de beige mat dans cette palette, j'ai poudré avec le fard de la New Nude, comme d'habitude. Et bien sûr, je vais bien estomper avec un estompeur propre. Ensuite, avec un... avec un petit pinceau boule, donc toujours de chez Primark, je vais prendre la teinte ici un peu berry, comme ça, Porto Berry, mauve violet, je sais pas trop la couleur. Elle est très jolie. Aïe, je suis coincée le doigt dans ma palette. Et je vais donc le mettre en coin externe. Il fait un peu plus fuchsia sur la paupière, j'ai l'impression. Je vais prendre ma première teinte juste pour intensifier ici. Voilà, donc j'essuie un peu mon pinceau sur mon donut. Et je vais prendre la teinte, il faut que j'arrive à intensifier un chouïa. Je vais prendre le marron très foncé ici en dessous. Donc je reprends pas trop, mais je reprends quand même un petit peu et je fonce mon coin externe. Ensuite, je prends un pinceau plein, donc là c'est un de chez Essence, et je vais prendre la teinte orangé ici qui est satiné, ouais. Qui a l'air très lumineuse, et je vais mettre sur le reste de ma paupière. Ouh, oui, très jolie cette couleur, j'aime beaucoup. Donc je vais juste dégrader un petit peu ici, peut-être même rajouter un petit peu de rose aussi qui est ici. On voit quand même un petit chouïa. Oh oui. Ouh, la couleur des deux, c'est très joli. Enfin, le mélange des deux couleurs. Ça coupe pas, monsieur. J'ai entendu un peu bizarre. J'espère que c'est pas son doigt qui est passé dans la disqueuse. Ça serait con quand on met les mains. Moi, j'ai pas entendu hurler, c'est bon signe. Alors, en coin interne, je vais d'abord mettre le jaune pâle juste ici. Donc, voir s'il est bien pigmenté ou pas. Alors, les couleurs pâles, c'est comme dans la Master Matte. Hein, ils ne sont pas phénoménaux. On les voit après. Hein. Je pense que vous les voyez aussi. Mais c'est vraiment... Bah, après, c'est des pastels. Hein, ouais, forcément. Mais... Et par-dessus, je vais mettre... J'ai peur que ce doré ici, jaune doré, soit un peu trop foncé. Si je mets du vert, ça va faire beaucoup trop. Hein. Le doré là, ça sera trop foncé. Je vais mettre ici le... Mais c'est rose. C'est rose, un peu lavante comme ça. Je sais pas. Mais il a l'air bien lumineux. C'est juste un air. Ah non, ça va. Donc je vais mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure, et comme je vais mettre du gros pommade, du pigment pommade, du gros pommade, n'importe quoi, du pigment pommade jaune en muqueuse inférieure, d'ailleurs je vous ai fait une revue complète sur ces produits, je les mets juste ici, je vais attendre que ça transfère un petit peu pour bien pouvoir l'essuyer après, et je reviens une fois que ça c'est fait. Donc voilà où ce qu'on en est rendu, le crayon noir ne tient absolument pas en muqueuse, je ne comprends pas, c'est le Tattoo Liner en noir de Maybelline, et il tient pas en muqueuse supérieure. Je sais pas pourquoi ça m'énerve. Donc j'ai liquéfié un petit peu mon pigment pommade en teinte lemon yellow, je crois, quelque chose comme ça. Et je vais donc faire un liner jaune en cut crease pour frapper ma muqueuse. Et avec un petit pinceau que j'ai commandé sur Joom. Enfin, il y avait 10 pinceaux pour 1 euro, je crois.
Je ne suis pas du tout la fille complètement accro au petit point. Mascara rouge à lèvres et je viens tout de suite vous montrer ce que ça donne. Donc on va tenter jaune et turquoise, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et en première teinte de transition, je vais prendre le jaune un peu moutarde ici. Donc qui est le premier dans la palette. Je donne un petit coup d'estompeur propre. Et ensuite je vais tout de suite passer au cut crease. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un cut crease, donc je prends le cut crease canvas en teinte hollow. Alors avec un pinceau, je vais commencer par prendre la magnifique couleur turquoise. Qui est juste ici. Je ne sais pas encore comment je vais jongler avec mes fards, mais il faut que j'utilise celle-là, donc on va commencer par ça. Et je la mets au niveau du coin interne. Alors, je vais prendre un pinceau plus précis, donc là je prends chez Primark, et je vais prendre la teinte. Je vais prendre la teinte ici, entre le vert, le jaune, pour le mettre en coin interne. Et je ne vois pas du tout ce fard. Ouais, hyper chuteux, hein. Faut le prendre assez bien, et il est hyper chuteux. Alors je garde le même pinceau, je vais prendre le bleu foncé ici en dessous. Je fais exactement la même chose sur l'autre et je reviens. Donc j'en ai profité pour mettre mon crayon en muqueuse supérieure et inférieure que j'ai dégradé. Et j'ai fait un tout petit trait de liner avec vraiment une rikiki verrue juste pour terminer le liner. Et du coup je prends un pinceau de précision et je vais prendre la teinte argentée juste ici. Pour mettre en racine. Avec mon premier pinceau, je reprends ma première couleur très légèrement et je floute le bord. Et je, pour terminer, pour mettre en coin interne, je vais prendre le vert ici encore plus clair, lumineux et plus clair. Que je vais mettre vraiment dans le coin interne. Bon, il est hyper ressemblant à l'autre. Hein. Il n'y a pas beaucoup de différence en fait. Ouais, il n'y a pas de réelle différence entre les deux. Celui-ci est le plus clair et juste un petit peu plus vert en fait. Mais bon. Maintenant, je prends mon liner glitter de Kiko en teinte 01. Et je vais faire donc la forme de mon cut crease et relier ici à mon autre liner. Je vais attendre que ça sèche, mettre une deuxième couche sur chaque œil, mettre mon mascara, mon rouge à lèvres et je reviens tout de suite vous montrer ce que ça donne. Donc je vais commencer avec la teinte vert hyper foncé, ici vers sapin bouteille, je sais pas trop, avec un pinceau fluffy. Donc je prends le 217-2 chez MAC et je vais m'en servir comme teinte de transition, mais assez diffus. Quoiqu'elle est bien pigmentée, donc oui, sur la paupière il fait même bleu canard comme ça. C'est une très jolie couleur, mais c'est pas ce que j'attendais. Donc je le mets également en coin externe et je vais mettre en racine. Je vais prendre la teinte un peu gris taupe ici pour estomper le bord, mais pareil avec un pinceau assez fluffy et j'en prends pas beaucoup. Et bien sûr, je donne un coup d'estompeur propre. Donc ensuite, avec un pinceau plat, je vais prendre la couleur ici, donc qui est un vert sapin du coup irisé, pour mettre en coin externe. Il y a des très 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 jolis reflets. C'est quasi la même couleur, bah, c'est la même couleur, mais avec des reflets verts en plus. Avec le pinceau que j'ai pris le gris tout à l'heure, je vais prendre le noir ici. Vraiment une toute petite pointe pour foncer un peu le coin externe. Une plus grosse pointe du coup. Et avec mon premier pinceau, j'estompe le bord des deux couleurs. Du coup, je prends mon cut crease canvas et un petit pinceau pour faire mon cut crease. Je vais en prélever sur le dos de ma main parce que là, avec le pinceau qui est dedans, c'est juste impossible pour un si petit détail. Enfin, si petit. J'ai mon chat qui miaule comme un con et je ne sais pas pourquoi. Avec un petit pinceau boule comme ça, je ne sais pas, j'ai jamais fait avec celui-là, mais bon, je vais dégrader le bord. Oh, ben ça fonctionne. Donc, je prends un petit pinceau précision. Je vais déjà faire cet œil-là avant de finir l'autre.
Et je prends la teinte ici, que je mets ici entre les deux teintes, enfin entre la base et le fard. Bon, même avec la base blanche en dessous, ce n'est pas la teinte la plus pigmentée. Hein. Et à côté, je vais mettre la teinte ici. Donc je prends l'autre côté de mon pinceau. Bon, c'est peut-être le pinceau qui va pas. On va essayer qu'un autre, parce que là, ça me paraît bizarre. Je vais essayer avec le petit Gerry Techniques. Il est un peu mieux. Donc du coup, avec le même pinceau, je vais essayer de intensifier le fer ici. Donc je vais mettre le même fard ici, en dessous, en coin interne inférieur. Et avec un autre pinceau précision, donc je vais prendre celui-ci, un petit pinceau crayon. Je vais reprendre le même fard que j'ai mis dans le make-up avant. Donc c'est celui-ci, le vert un peu or, comme ça, que je vais mettre en coin interne. Il est vraiment très joli, en coin interne, j'adore. Vraiment super lumineux, quoi. Et avec mon petit doigt, j'en prélève un petit peu pour mettre au centre de ma paupière. Voilà, je vais faire l'autre œil. Je vais aller étrangler mon chat. Ensuite, je vais mettre mon crayon, mon mascara et mon liner noir, si je mets un liner noir. Et je reviens tout de suite. Donc, qu'est-ce que je pense de cette palette? Franchement, je suis mitigée. Très mitigée. Il y a des teintes qui sont très jolies, hein, les couleurs sont vraiment magnifiques. Maintenant, il y a des teintes qui sont vraiment pas assez pigmentées, je trouve. Je les ai pas toutes testées, on est d'accord, mais quand même. Il y a aussi, je trouve qu'il manque énormément de teintes de transition mate. Clair, enfin flashy ou clair, je veux dire, c'est une palette de couleurs, pourquoi vous nous tapez un taupe en transition mate, quoi, enfin en fard mate, le moutarde, voilà, du marron, vous n'avez pas énormément de teintes mates. Par contre, je pense que les teintes métallisées, irisées et tout ça seront top pour mettre, si vous utilisez la Monster Matte, et utiliser celle-ci après pour mettre juste en paupière mobile, un fard irisé. Donc voilà, c'est des très belles couleurs. Après, pour moi, je pense pas que ça sera celle vers laquelle je me tournerai plus facilement. Je pense que sur les 4, c'est principalement la Monster Matte qui va m'être très utile pour trouver des teintes de transition colorées. J'ai oublié de vous montrer, j'ai utilisé ce liner chromatique ici sur le vert, et c'est donc le Mermaid. C'est les Higher Evolution. Je ne sais plus c'est quoi la gamme Fantasy Eyeliner. Et c'est la teinte Mermaid. Donc il y a des sous-tons verts. Ça fait un effet un peu chrome et quelques micro-paillettes. Bon, les paillettes, elles ne sont pas très visibles. Mais le rendu est très joli. Maintenant, pour en revenir à la palette, le make-up que je viens de faire, par exemple, vous pouvez le faire avec la Deep Dive. Si vous avez la Deep Dive, je pense que vous pouvez très bien reproduire ce make-up. Puisqu'à la base, je voulais faire un make-up vert et je me retrouve avec un make-up bleu, donc rien à voir. Mais vous avez ici un bleu très foncé, ici un vert très foncé. Si vous les mélangez, ça fait exactement la même teinte que le bleu canard juste ici. Celle-ci que j'ai mis en paupière mobile, vous pouvez la mettre. Vous pouvez mettre celle-ci qui est juste magnifique. Je crois que c'est la plus belle couleur de la palette avec celui-ci et celui-ci et celui-ci. Enfin, j'adore cette palette. Si vous aimez le bleu, cette palette, il vous la faut. Et voilà, donc je pense que c'est pas des... La Monster Matte, oui, parce qu'il n'y a qu'une palette matte dans les petites, en coloré, quoi, je parle, hein, parce que les nudes, vous en avez d'autres. Donc c'est la Marvelous Matte. Du coup, la matte est beaucoup plus intéressante si vous aimez les couleurs flashouille. Voilà, si vous faites des make-up nudes, c'est sûr qu'elle vous sert à rien. Donc il me reste encore la Largitop à vous faire les swatchs et un make-up. Je pense que ça attendra un petit peu parce que c'est que du nude et du coup déjà qu'elle m'inspire pas beaucoup. Je m'en étais servi dans une vidéo, je sais plus laquelle, je vous la remettrai juste ici une fois que j'aurai retrouvé. Et voilà, je pense que si vous aimez les couleurs, elle est bien parce qu'elle est vraiment pas chère, donc ça compense un peu les produits qui, enfin les fards qui sont pas très pigmentés. Maintenant, c'est pas la must have, quoi. Parce qu'il y a quelques couleurs. Le turquoise ici, je trouve juste magnifique. Le orange irisé ici aussi. Celui-ci que j'ai mis encore une fois au coin interne est juste sublime.
Mais les autres, je trouve, elles cassent pas trois pattes à un canard, quoi. C'est des couleurs que vous retrouvez dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de palettes. Mais voilà. Maintenant, c'est sûr, c'est à vous de voir. Si vous n'avez pas beaucoup de reload, oui, elle vaut le coup. Si vous en avez déjà plusieurs, regardez bien et comparez bien les couleurs que vous avez dans les petites avant d'acheter les grandes. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche. Et de laisser un like parce que ça fait tellement plaisir, tellement, 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 tellement plaisir. Et merci à tous ceux qui prendront le temps d'aller faire un petit tour sur YouTube pour regarder, je crois que c'est 3 ou 5 pubs, je ne sais plus, de quelques secondes pour me faire économiser un peu de sous dans ma petite cagnotte. Vous avez le lien en barre d'infos. Et donc, moi, je vous dis à samedi. Bisous, bisous.